reste quelques missions à faire, quoi. Allez, go. A été longue la mission là. Ouais, j'arrive sur la guerre. Super. Je fais des champions comme ça, généralement ils ont des succès à eux, donc autant en profiter. Bah, il n'y aura pas de succès, mais ça va. Je suis malade. Ce qui s'est passé ici était horrible et cruel. Qu'est-ce que tu as vu? Il y avait des piles de cadavres. On va ranger tout ça, hein. Des centaines de masques Mursad qui ont bordel dans mon inventaire. Tout le monde. Aberrant, quoi. Quel endroit horrible. J'ai tout recyclé. Rare et utile. J'ai un bordel, frérot, laisse tomber quoi. Bon, je fais seul tri tout à l'heure. J'aime bien parce que le pavillon, en fait, y a même pas un accès direct au pavillon. Tu sais, comme genre. Faut que non, j'allais dire ta maison, mais non. Faut passer par la capitale. Mais il aurait pu avoir un TP genre direct au pavillon quoi, ça aurait été cool. Attendu, hein. Ah. Hide. Je pensais que ça allait lancer automatiquement. Bien, Brumaille. Concentrons-nous. Revoyons le plan encore une fois. Ils ne cessent de se regrouper pour guérir. Alors nous devrions les tuer tous les deux en même temps. Decima est faible. Attendez. Ma patte paternelle est là. Vous lui avez... Est-ce qu'il est au courant? Non. Mais laissez-le entrer. Je ne peux pas m'interposer entre la griffe et son fils. Entrez, Aulne Stoïque. Moi, je donne des ordres. On est chez moi ici. Mon hein. fils est impliqué. Moi aussi. Ah. Oh. Aulne Stoïque. Guide, je suis confus. Fléchette. Écoutez, tandis que Brumaille avoue son identité. Oh, c'est dommage qu'il n'y a pas le fauteuil de l'autre sens. Je croyais que vous... Je vous croyais morte. Non. Eh ben non. Mais je me suis rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Des bribes de mon peuple. De quelqu'un que j'ai abandonné il y a longtemps. Je m'appelle Brumaille Languissante. Je ne suis pas celle que vous croyez. Alors, vous n'avez pas été honnête? Je vous ai donné un petit fragment d'une ancienne vérité. Mais mes expériences dans votre village étaient tout à fait authentiques. Et tu étais au courant, mon fils? Depuis quelques lunes seulement, patte paternelle. Elle est notre aurore estompée. Mais plus forte. Et magique. Oh. L'air de cette pièce ne m'a jamais paru aussi opaque. Oui, mais c'est comme ça qu'elle utilise sa magie.
pas malveillante comme les étrangers. Elle aide, c'est tout. J'étais nerveux, moi aussi. Petite griffe, je n'ai pas besoin que tu me défendes. Je ne laisserai jamais quoi que ce soit lui arriver, Aulne Stoïque. Je me satisfaisais de vivre ma vie de guérisseuse dans votre village. Mais quand la vie de Fléchette a été mise en danger... Ça fallait pas lui dire, par contre, je pense. Parlons de ça plus tard. Ouais. Les titans sont encore en vie. Fallait pas lui dire. Fiez-vous à moi le temps de conclure ce combat pour sa sécurité. Si vous voulez me faire un procès, ça passera après. J'en dois déjà plus d'un. Tu comptes te battre, toi aussi? Oui. Parfois, je pense avoir oublié sa voix, celle de ta mère. Mais je viens tout juste d'entendre son rire. Je me battrai aux côtés de mon fils, pour mon peuple. Mais cette conversation n'est pas close. Bruma, il... On va avoir des explications plus tard. Ça, ça s'est bien passé. Que faites-vous? Vous connaissez bien les déceptions que je traîne derrière moi, mais je n'ai jamais autant cherché le pardon qu'avec eux. Quand nous en aurons terminé avec ça, nous pourrons avoir ce genre de conversation. Quand nous en aurons terminé, Isgaren arrachera mon âme de mon noyau et la piégera dans un écho. Il a fait son temps. On pourra l'envoyer dans une maison de retraite. Je vous aime bien. Moi aussi. Je suis vieille et fatiguée de fuir. Je vais nous aller dans le défilé qui donne... Waouh. Bah, pas de pâté, il y en a des trucs à parler. Il surestime sa capacité à le cacher, mais j'ai aiguisé mes sens. La discussion n'est pas terminée. Pas de succès, là, j'ai très souvent entendu cette phrase, mais ça fait bizarre de l'entendre la dire face à elle. Il a le béguin pour elle. Je sais pas si vous l'avez remarqué, hein, mais moi je l'ai vu tout de suite. Ah, je l'ai pas remarqué. De tous les mentors que j'ai eus, c'est la seule qui a eu du succès. Ma patte paternelle a vu que je m'améliorais, puis l'a remarqué. Elle arrive même à le faire rire. Plus que je n'y arrive. Je ne l'avais pas vu aussi heureux depuis... Eh bien... longtemps. Ces étrangers ont tout ruiné. On doit leur flanquer une bonne raclée. Le village sera en sécurité. Et ma patte paternelle verra que la magie de Brumaille est bonne. Et ils pourront se remettre à roucouler ensemble. Le premier combat contre les étrangers, c'était juste un échauffement. Cette fois... je suis prêt. Ok. Vous vous sentez d'attaque? D'attaque? Si vous me donniez un couteau, je commencerai sûrement à tailler des lèvres. Ouais, je suis prête à tuer quelques titans. Ça serait une offense à l'héritage d'Almora si nous ne le faisions pas. Dès qu'Oren s'est endormi, je ne l'ai plus senti. C'est un succès si je parle à tout le monde. Aucune chaleur à son éveil, ni battement de cœur quand elle s'est envolée. Il m'a fallu du temps pour m'habituer à ça. Elle me manque, mais je m'y suis faite, je crois. Je l'ai acceptée. Si seulement notre petite nous voyait affronter un titan. Elle nous en voudrait de mettre notre vie en danger. Ah, oh, mais ne me laissez pas vous ennuyer avant le combat. De tels instants incitent à la réflexion, et j'ai beaucoup à méditer. La dernière fois que je vous ai parlé, vous avez éveillé en moi un brasier pour mon fils. Vous avez bien dégringolé dans ma liste de préoccupations. Ah, j'aurais tellement préféré qu'il n'en soit pas ainsi. Je n'ai peut-être pas l'air du genre à être entraîné par mes émotions. Mais... je dois être prudent avant d'ouvrir mon cœur. Et à qui? Mais j'ai au moins appris cela. Personne n'est vraiment comme on l'imagine. Pourtant, il arrive que l'on rencontre une âme exceptionnelle sur laquelle on est prêt à tout miser en espérant s'en rapprocher. Mais cette divergence que je vis
Jamais n'aurais-je pu m'y préparer. À la place, me voici à l'aube du combat. Mon fils à mes côtés, se préparant à lutter. Comme l'a fait sa mère avant lui. Let's go! Plein de succès!